Nous allons avoir le plaisir d'entendre Pierre-Gilles Pellissier, docteur en philosophie de l'Université de Paris 4 Sorbonne. Il a soutenu sa thèse en 2011 sur thermodynamique de la contre-utopie, élément pour une lecture critique de l'économie des contre-utopies anglo-américaines, françaises, anglaises et japonaises au XXe siècle, sous la direction de Jean-Michel Besnier. Et il a publié des articles comme « La cité des asphyxiés », une archéologie de la littérature scientifique, une zili numéro 9 en avril 2010, ou germe journalistique de la fiction Messacienne, dans le numéro codirigé par Natacha et Olivier Messac, Régis Messac, l'écrivain journaliste à reconnaître. Je lui donne tout de suite la parole. Merci. Bon, bonjour à tous. Euh, donc, euh, ma communication va porter sur les, les dystopies de Pierre Pelot. Donc, euh, je, vais, je vais commencer par euh, resituer un peu l'auteur. Hein, Pierre Pelot, c'est un auteur français, donc euh, vosgien, euh, né en 1945. C'est un auteur qui a une, qui a une productivité euh, très intense. On parle d'environ de, 200 romans euh, en, en une quarantaine d'années. Donc, euh, c'est un. Ça représente un rythme d'écriture d'environ 4 romans par an, donc il y a une grosse productivité. Le, le, la, la carrière de Pierre Pelot peut, comment dire, se, euh, être, être séparée en plusieurs, plusieurs phases. Si vous voulez, quand il commence à écrire ses, ses premiers romans dans les, au milieu des années 60, euh, il commence par écrire des westerns. Euh, essentiellement. Ensuite, suit une phase où euh, Pierre Polo se met à l'écriture de romans plutôt de science-fiction, ce qui correspond plutôt aux années, euh, aux années 70. Dans les années 80, il enchaîne plutôt sur, euh, sur une phase avec des romans noirs. Ce que je donne là, c'est plutôt, plutôt des dominantes hein, que, des, euh, que, que des catégories très, très tranchées parce que. Pendant les années 80, il continue évidemment d'écrire de la science-fiction. Euh, donc euh, années 80, roman noir. Dans les années 90, il se met à écrire euh, des romans préhistoriques, euh, sous le vent du monde, euh, avec euh, Yves Coppens. Euh, dans les années début des années 2000, euh, marque un, un sommet un peu dans son œuvre parce que c'est à ce moment-là qu'il publie ce qui à mon avis est son chef-d'œuvre, euh, c'est ainsi que les hommes vivent. Euh, roman, roman historique euh, qui se déroule dans la, dans, pendant la guerre de, <coughs> de 30 ans. Euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce dont je voudrais parler, moi, c'est spécifiquement une décennie dans, le, dans la carrière de Pierre Pelot qui correspond grosso modo aux années 70, euh, une décennie pendant laquelle euh, Pierre Pelot rédige des, euh, ce qu'il est convenu d'appeler des dystopies, des contre-utopies ou des anti-utopies. Euh, ma communication ne fera pas la différence entre ces trois genres. Euh, donc, euh, pendant les années 70, Pierre Pelot rédige des, des contre utopies Donc, ma, ma, ma communication porte essentiellement sur une période qui va en gros de 1962, l'année où, sous le pseudonyme de Pierre Suragne, il, euh, il rédige euh, euh, L'enfant qui marchait sur le ciel. Et. Euh, mon corpus va, grosso modo jusqu'à 1982, l'année de euh, notamment de Et nos armes sont de miel. Donc sur, sur, pendant cette décennie-là, Pierre Pelot rédige un nombre de, de romans euh, romans dystopiques marqués par la contestation, euh, contestation de l'ordre dominant, euh, très ancré à gauche. Euh, voire euh, dans l'anarchisme. Euh, ce, ce que je voudrais faire, c'est, euh, dans un premier temps, resituer quelque part le, le, la, la démarche politique de Pierre Pelot en regard des, euh, des, de, de grands courants philosophiques, un peu le situer par rapport à une histoire euh, de la pensée vis-à-vis euh, -vis de, 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 de certaines pensées politiques. Comme la, 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 la pensée anarchiste, et enfin le, le mettre en, en relation avec des auteurs euh, du, de la même époque, des années 70, euh, pendant euh, pendant lesquels euh, les, les, les travaux de Pierre Pelot trouvent un écho avec le, euh, certaines pensées euh, à l'œuvre pendant ces années-là. Donc je, je, je pense notamment à, à des œuvres comme celle d'Herbert Marcuse, de, de, de Michel Foucault, de, de Jean Baudrillard, par exemple. Euh, ensuite, de deuxième partie, j'aimerais travailler le, le, la question d'une du, euh, image qui est employée par Pierre Pelot euh, dans ses ouvrages. Euh, L'image, c'est celle de l'orage. Et voir comment, en, en travaillant une image précise, euh, Pelot donne justement un travail esthétique, donc sur l'orage, un contenu également politique, et voir ce que cela implique, et notamment ce que j'aimerais faire, c'est dans une troisième partie, montrer comment tout cela dessine, plus qu'une politique, une véritable métaphysique, qui pour moi est empruntée essentiellement à l'univers de Philippe Cadic. Donc je, je commence sur la partie proprement politique. De l'œuvre de Pierre Pelot. Euh... Alors, politiquement, moi, il m'a semblé que les ouvrages de Pierre Pelot pouvaient être attachés à une tradition philosophique, euh, celle de, de, la, de la philosophie du soupçon. Pourquoi le soupçon Alors, ça m'est venu simplement en, en me disant que finalement, quel est le, le, le moteur à l'œuvre dans, dans les œuvres de Pierre Pelot, sinon le soupçon C'est-à-dire que dans, dans, dans ces ouvrages, euh, dans ces dystopies, on a toujours un personnage qui, qui, euh, euh, qui est dans un certain univers et qui va être amené à, à, à soupçonner que le monde dans lequel il se trouve euh, n'est pas, euh, pas juste ou, euh, et, et qui va être amené à le remettre en question. Donc les personnages de rebelles, chez Pierre Polo, sont très importants pour ça. C'est-à-dire qu'ils soupçonnent à travers le... le euh, comment dire Ils soupçonnent que le monde qui les entoure n'est pas, euh, pas juste et ils mettent en cause l'ordre établi de cette façon-là. Donc, les philosophies du soupçon, ça a servi historiquement à désigner euh, trois, types, euh, trois auteurs principaux que sont Nietzsche, euh, euh, Marx et Freud. Donc, euh, de Nietzsche, il y a un véritable Nietzscheïsme chez, chez, chez Pierre Pelot. Hein. Ça, c'est. Il me semble que c'est un auteur qui, qui est important si on veut comprendre vraiment ce, comment dire les, les, le, la, 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 la philosophie de cet auteur. Euh, donc Nietzsche, de Nietzsche, il reprend l'idée d'une euh, remise en cause de, de, de dogmes dominants d'un point de vue no, notamment moraux et euh, religieux, qui va l'amener. Euh, donc, il va amener Pierre Pelot à faire une démarche du type généalogique. Donc, euh, Pelot va essayer de faire la généalogie du, euh, du sentiment religieux, par exemple. Qu'est-ce qui fait que euh, une religion puisse prendre une, une emprise euh, importante au niveau d'un monde comme dans celui de, je ne sais pas, les barreaux de l'Éden, par exemple Donc, de. De Nietzsche, il reprend cette idée-là de, de comment dire, de, de dépassement des illusions finalement d'un du, euh, dogme dominant. Euh, de, chez Freud, de Freud, Pierre Pelot reprend l'idée euh, du fait que l'homme n'est pas maître dans sa maison, c'est-à-dire qu'il est le fruit de forces qui quelque part le dépasse. Chez Freud, bien sûr, c'est l'inconscient. Qu'on retrouve à l'œuvre chez Polo quand les les, les les personnages sont euh, sont amenés à prendre conscience du euh, du monde dans lequel il, euh, du monde dans lequel ils vivent et le fait que cette prise de conscience se traduit par un, un sentiment de malaise qui est qui est qui est complètement lié aux forces inconscientes qui les travaillent. Les personnages sont toujours dans un état euh, euh, ils frisent toujours le, le, la folie et la schizophrénie. Hein. Donc, euh, je disais donc d'une part euh, Nietzsche, Freud, mais également Marx, Marx qui porte un soupçon quant aux règles de, de, la, de la société et de l'économie et qui montre que celle-ci crée un univers où l'homme est aliéné. Voilà, donc euh, ça c'est les trois auteurs de la philosophie du soupçon qui, euh, qui à mon avis, influent. D'un point de vue philosophique général, sur l'œuvre de Pelot. Donc je parlais de Marx en dernier, sauf que plus, plus que marxiste, il me semble que l'œuvre de Pelot est plutôt à rattacher à un autre courant de la philosophie, euh, la philosophie socialiste, si, si l'on veut. C'est plutôt le courant anarcho-libertaire. Pour moi, Pelot, il est, il est à rapprocher d'auteurs comme euh, Michel Bakounine ou euh, Pierre Kropotkin. Il se situe plutôt dans cette tradition euh, libertaire, euh, à travers la remise en cause de, de l'autorité, de, de la, de la, des vérités théologiques, de, euh, et, et à travers également la, la, la proposition d'un euh, proposition de société. Deux types, justement, anarchistes. Donc, d'une part, chez Polo, on a une, euh, un ensemble de romans qui s'attachent à critiquer un système, donc euh, un système dominant, un système religieux, euh, une domination économique, une, de, une, une domination théocratique. Mais d'autre part, on a dans ses œuvres, et notamment dans, dans trois romans euh, plus particulièrement, des propositions de, euh, de modèles utopiques, qui, qui recouvre effectivement les, les, les propositions que pourront faire par ailleurs les penseurs anarchistes que j'ai cités, donc notamment Michel Bakounine, Pierre Kropotkin. Donc dans, dans ces propositions de, de, de société, on a celle qui est par exemple proposée dans *Kid Jesus*, donc euh, l'un de ses euh, romans les plus connus, euh, dans lequel le le personnage libertaire évoque l'idée d'une société qui serait plus constituée autour de la lutte de tous contre tous, un monde où tout le monde, tout le monde est, contre, est contre tout le monde, où chacun poursuit ses intérêts, mais une société fondée sur la coopération et l'entraide. et ça, typiquement, en le lisant, j'ai immédiatement pensé à l'ouvrage de Kropotkin qui s'appelle justement l'entraide, et sur lequel et dans lequel celui-ci tentait de montrer que euh, ce sentiment pouvait fonder euh, le, le, les conditions d'une autre société, d'une société alternative de type anarchiste ou anarchisante. Donc on trouve dans euh, ce roman-là, qui est Jésus, finalement, le, le, la proposition d'une société alternative qui correspondrait, euh, grosso modo, à l'utopie que, que propose euh, Pierre Kropotine dans ses... Dans ses, dans ses écrits. Dans d'autres dans, dans ouvrages comme Transit ou. Euh, alors le dernier m'échappe. Euh, dans Transit ou dans euh, Nos armes sont de miel, donc le dernier, dernier roman de 1982. Donc euh, le, le, Pierre Pelot propose également des types de sociétés euh, utopiques avec euh, modèles anarchistes, euh, des, avec des. Euh, des, des sociétés euh, non autoritaires où les chefs ne, ne, ne dictent plus la, la conduite à tenir, mais sont plutôt là comme des, euh, des aides pour les, pour, les, euh, pour les citoyens. Donc, euh, dans ces romans-là, Pierre Pelot propose des utopies, euh, des utopies euh, anarchistes, donc non, euh, non autoritaires, euh, où, le, où le travail est libre. C'est des sociétés fondées sur, essentiellement sur la diversité, sur la, la, la pluralité, et euh, qui permettent aux individus d'accomplir euh, chacun leur, euh, leur propre trajectoire. Par exemple, dans Nos armes fond sont de miel, euh, ils proposent un, une, so une société fondée sur un certain nombre de mondes. Il y a des mondes, par exemple, de la paresse, il y a des mondes du travail, il y a des mondes de l'industrie. Il y, y a des mondes consacrés aux loisirs et chaque individu peut choisir comme il le veut, finalement, le monde qui, à tel moment de sa vie, lui agré le plus. À tel moment, il voudra travailler, il ira sur un monde du travail et à tel moment, il choisira plutôt d'être paresseux, il ira sur le monde qui, qui euh, permet d'être permet paresseux. Donc, là, il s'agit de... Il s'agit donc des... Donc, de, de, la, de la version donc anarchisante des, euh, des, des propositions de Pierre Pelot. Ce qui, ce, qui, ce qui me paraît euh, aussi important, c'est moins de re, relier le travail de Pierre Pelot et, et ses romans et le, le, le discours qui les sous-tend à ces philosophies-là que de les mettre également en parallèle avec euh, des auteurs de l'époque. Claude Eken, dans, une, dans la, dans la postface qu'il consacre à, à Pierre Pelot et euh, de, de plusieurs romans qui est intitulé Orage mécanique indique que Pierre Pelot est un peu euh, serait un attrapeur d'histoires. En même temps qu'il attrape les histoires, à mon avis, il, il attrape également certaines idées en vogue pendant la, 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 la période où il écrit, notamment dans euh, notamment dans, euh, euh, dans un certain nombre de romans, euh, les, les idées qu'il peut attraper donc, sont, sont les idées dominantes enfin, dominantes ou en vogue à l'époque. Je, je pense notamment, euh, on pourra rapprocher Pierre Pelot tout un tas d'auteurs. Moi, dans un premier temps, j'avais pensé à Herbert Marcus, parce qu'effectivement, la, la, la construitopie dialogue, à mon avis, intimement avec, ce, avec cet auteur donc euh, écrivain des euh, comment dire très en vogue euh, par rapport au courant 68 avec une philosophie de la libération, la question de l'homme uni, unidimensionnel le, 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 le comment, la, la, la question de la protestation dans une société euh, hyper industrialisée le, et la, la question du grand refus hein, qui est un thème marcusien, et qui est repris par Pierre Pelot donc de Marcuse également on trouve des avec Marcuse on trouve des, comment dire, des, des des consonances fortes quand euh, par exemple dans un roman comme euh, c mais, mais si les papillons trichent euh, non c'est dans le sourire des crabes par exemple quand Pierre Pelot aborde la question de la violence dans l'opposition qui est un texte de Marcus, dans lequel Marcus dit finalement, euh, est-ce que dans la contestation, on peut être violent ou pas, euh, est-ce que la violence est quelque part légitime d'un point de vue contestataire À ce moment-là, Marcus indique qu'on le, le, peut, on peut être violent donc dans, la, dans, dans la mesure où cette violence de la contestation répond à une violence supérieure qui est imposée par l'ordre établi. Et... On trouve dans Le sourire des crabes exactement le même type d'analyse qui est proposé par Pierre Polo en quelques phrases et qui, qui rentre complètement en, en, en phase avec, avec les analyses de, de Marcuse à ce sujet. Par ailleurs, tout à l'heure, je parlais également de Michel Foucault. On trouve des, des parallèles entre les travaux de, de, de Michel Foucault et ceux de. De Pierre Pelot. Euh, je pense notamment au roman Parabellum Tango, dans lequel euh, Pierre Pelot euh, envisage un, un monde panoptique, si vous voulez, ou avec une, une, une observation euh, permanente de tout le monde, et euh, un peu calqué sur le modèle, euh, sur le modèle orwellien de, de, proposé en 1984. Donc un monde panoptique où... Euh, on retrouve l'idée d'un pouvoir d'un pouvoir diffus, un peu éparpillé, qui est l'objet du, euh, du, du travail que, que fait Foucault dans Surveiller et punir. Euh, donc euh, là j'ai évoqué Marcuse, je viens d'évoquer également Michel Foucault. On peut également penser en lisant Pierre Pelot à un autre auteur qui ne vient peut-être pas tout de suite à l'esprit euh, et qui est, euh, qui est Jean Baudrillard. Et donc je pense notamment à l'idée qui revient assez fréquemment dans les, dans les ouvrages de Polo, selon laquelle le, comment dire, le, le système, il n'y aurait plus d de position extérieure possible au système. Et le, le, la rébellion elle-même finirait intégrée ou euh, pro, procéderait d'un scénario qui, qui serait déjà celui du système. Chez Baudrillard, il y a l'idée que le système est complètement englobant et qu'on ne peut pas avoir une position d'extériorité dans la rébellion. C'est une idée qu'on retrouve de façon très précise chez Pierre Pelot dans des romans où ceux qu'on croyait des rebelles ou qui se pensaient extérieurs au système s'avèrent faire partie de stratégies qui sont celles du système. Je pense notamment à celle de Jesus, qui Jésus, euh, qui, qui croit pouvoir mener une opposition de, de sa position euh, extérieure au système et qui, au bout du compte, se, se, se révèle avoir été l'objet d'une manipulation du système et d'être lui-même déjà intégré à, euh, son, à sa dynamique et à sa logique. Euh, je, je pense également à euh, euh, la question euh, de, de, euh, à, à ce niveau-là, donc de l'opposition de l'opposition euh, au système. Euh, attendez, alors un instant. Ah oui, je pense également dans le, le sourire des crabes, il y a, le, le, Pierre Pelot démontre la, la, la fumisterie démocratico-libérale dans la mesure où euh, les, les partis qui sont censés incarner l'opposition sont, euh, sont autorisés par le prince, c'est-à-dire que le, le, les partis dominants autorisent ces partis et ceci euh, ceci berdan d'emblée le, le la, bon. euh, ceci obèrent d'emblée leur, leur possibilité de contestation. Euh, donc ça, c'est euh, un premier type de, possibilité, de, de proximité qu'on peut établir entre, entre Pierre Pelot et, et, Jean, et, et les, les analyses de Jean, Jean Baudrillard. Euh, je, voudrais, je vais rapidement passer à euh, l'analyse de, 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 de l'orage chez Pierre Pelot. Première idée, finalement, vis-à-vis -vis de l'orage c'est que euh, c'est une image qui revient assez fréquemment et c'est une image qui en général accompagne l'acte de rébellion euh, d'un personnage. Dans La rage dans le troupeau, le, le roman commence avec, le, 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 la, avec justement une tempête. Première, euh, euh, première page commence avec une tempête et à ce moment-là, un personnage qui jusque-là vivait une vie, euh, une vie euh, monotone. Euh, et, qui était dans un certain train-train se met à euh, ce, que, ce que moi j'appelle bifurquer, c'est-à-dire qu'il change complètement de trajectoire et se met à voler une valise pour laquelle pour on va le poursuivre et qui, est, et qui va complètement changer son, changer son destin et l'univers qu'il avait jusque-là. Donc, euh, chez Pierre Pelot, le, 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 le moment de l'orage correspond à un moment où le personnage va entrer en rébellion. Dans euh, l'orage chez Pierre Pelot, hein, qui fait l'objet de l'intitulé de, 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 de ma communication, prend souvent un aspect également mécanique. Euh, C'est-à-dire que l'orage, la météorologie est souvent l'objet de manipulation. Je pense à, euh, à l'univers de, de Citizen dans Delirium Circus. Euh, ce, ce personnage qui vit dans un univers où il, où il est à même de contrôler euh, tout son environnement, le temps qu'il fait, la température, la, la luminosité. Au moment où ce personnage-là décide de, de se rebeller et de, de, de sortir du système dans lequel il se trouve, hein, dans le monde du spectacle où il se trouve, à ce moment-là, il va aux manettes qui permettent de contrôler ce, cette température et il, euh, comment dire, il, il, il manipule, il manipule ce, son appareil. Et tout d'un coup, il y a l'orage qui arrive, qui gronde et la tempête qui commence à ravager tout l'environnement de son quotidien. Donc là, on a, on a typiquement un orage mécanique. Hein, orage mécanique, je rappelle, c'est le... le le titre du, du, du recueil de trois, euh, de trois, de trois romans parus chez, chez Bragelonne, un orage mécanique qui correspond au moment de la rébellion chez, chez Pierre Pelot. Euh, tro, tro, troisième, troisième moment, on a également un, un orage qui est contrôlé par le système dans euh, un autre roman qui est La rage dans le troupeau, où effectivement le moment où le personnage entre en rébellion euh, correspond à... Le, le, le déclenchement d'une véritable tempête et là on aura vraiment des gens qui vont être même lessivés par, euh, par la tempête qui vont se retrouver euh, qui, qui vont se retrouver trempés en même temps qu'ils euh, qui, qu partent en rébellion alors so soit l'orage le, le, accompagne la rébellion soit parfois comme dans ce, ce dernier roman il vient la, la, la contrarier ou l'empêcher mais euh, dans ce cas-là, on est également dans le cadre d'un orage qui est lié, qui reste lié ou qui reste articulé avec l'acte de la rébellion. Donc, ce que montre ceci, c'est l'existence d'un univers où la manifestation extérieure, celle du monde, rentre en résonance avec l'univers intérieur du personnage. C'est-à-dire que l'orage hein, qui se manifeste par des phénomènes de, de craquement, de dépression, de, euh, de, de foudre, que, produit comme une déflagration qui correspond à ce qui, à ce qui se passe au niveau du, euh, du, euh, de la, du, du mental du, du personnage. Et, et, et ceci, pour moi, c'est vraiment la preuve d'une dimension mentale de, de l'univers de Pierre Boulle, dans lequel, euh, dans lequel le, 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 les événements extérieurs font écho justement à, à un état intérieur. Donc, l'orage, c'est la représentation de ce type de monde qui, qui, qui est forgé euh, et, qui est, et qui est essentiellement mental. Euh, donc, euh, alors oui. Euh, donc là, là j'ai pas pu euh, j'ai pas pu faire la moitié de ce que je voulais vous dire mais c'est pas c'est pas grave on va essayer de on va essayer de conclure euh, comme ça euh, je, je voulais je voulais finir en, en faisant euh, en, en articulant un peu cette idée d'un monde mental avec l'idée d'un monde qui était euh, chez pierre Pelot, à dominante euh, fausse c'est à dire c'est on est dans un monde complètement truqué euh, et cela il euh, c'est quelque chose qui reprend à l'écrivain américain Philippe Cadic l'idée d'un monde qui est complètement truqué où euh, finalement la réalité disparaît au profit du simulacre. Euh, à ce niveau-là, ce que, ce que j'aurais voulu essayer de montrer, c'est comment, le, 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 comment, comment Pierre Pelot, en reprenant cette thématique d'Ickienne du, 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 du simulacre, produisait lui aussi au niveau de son œuvre, une œuvre euh, simulacre, une œuvre qui, qui va reprendre des modèles préexistants euh, qui existent. Donc, par exemple, l'œuvre de Pierre Belot va, va quelque part se proposer comme un simulacre de, des œuvres de, de Philippe Cadic, mais également comme la reprise d'ouvrages ou de... Ou de films antérieurs, je pense à un ouvrage comme la, la, la Guerre olympique, hein, qui n'est pas sans évoquer le, le, le film de, de Norman J. Wilson qui s'appelle Rollerball. Hein, on peut voir finalement quelque part dans La Guerre olympique une relecture et un simulacre de, de Rollerball. Je pense à euh, Fetus Party, un roman formidable hein, qu'on qu peut mettre en relation avec euh, notamment Soleil vert de, de Richard Fleischer. Euh, de 1972 et avec euh, et qu'on peut considérer comme une relecture aussi de, de tunnel de, de André euh, Donc on trouve chez, chez Pierre Pelot le, le, cette fascination du simulacre, cette fascination pour une, une réalité une réalité truquée. Euh, qui, qui fait l'objet des thèses euh, des de, de, de Jean Baudrillard, hein, notamment exprimées dans, dans des livres comme euh, simulacre et simulation euh, que, que je conseille à tout le monde. Voilà, donc, euh, et je voudrais conclure simplement en disant que euh, il me semble que c'est tout, tout l'intérêt de la science-fiction que d'arriver à faire justement, à faire dialoguer au sein au sein d'ouvrages des auteurs finalement quelque part aussi opposés que Herbert marcus d'une part qui, qui se situe dans les philosophies de la libération et un auteur comme comme Jean Baudrillard qui lui au contraire dans les stratégies fatales part d'une critique par rapport à à ces, ces thèses de la, ces, ces, cette philosophie de la libération donc euh, voilà chez Pierre Pelot on a on a un peu les on a un peu ces deux ces deux pans, si vous voulez, qui sont, euh, qui sont concomitants, c'est-à-dire d'une part une, euh, des vellités libertaires et de libération, et d'autre part l'idée que, euh, que tout est foutu et que de toute façon le système sera toujours plus puissant et toujours plus englobant. Voilà, je vous remercie.